Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose votre tirage sentimental, affectif, relationnel pour cet été 2022. Donc il couvre la période suivante du mois de juin, juillet et août 2022. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes en forme. Donc, je suis en présence des Scorpions, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion. Le tirage correspond aux personnes célibataires hein, qui veulent rencontrer une personne. Le tirage correspond aussi aux couples, aux personnes qui sont déjà en relation, et puis aux personnes qui convoitent hein, une, un partenaire amoureux. Voilà, qui ont euh, quelqu'un en tête. Donc euh, voilà. Donc en fait, le tirage, il correspond euh, à tout le monde. Il s'agit ici d'accueillir les messages en fonction de votre vie personnelle et privée de, et de les adapter par rapport aussi à votre statut amoureux. Donc c'est parti, j'utilise le tarot comme d'habitude. Je vais vous expliquer le protocole du tirage au fur et à mesure que celui-ci se déroule. Donc dans un premier temps, on va faire une coupe, on va regarder l'ambiance générale de vos amours sur cet été 2022. Donc le 10 de bâton et le page de bâton. Alors ici, dans votre vie amoureuse, relationnelle, affective, une nouvelle page se tourne. Vous êtes en train d'écrire une nouvelle page ami scorpion que vous soyez accompagné ou non vous en terminez avec une épreuve avec le 10 de bâton on voit que vous portez un fardeau quelque chose de lourd au niveau relationnel c'est une épreuve voilà vous allez déposer les armes hein, par rapport à une relation ou par rapport à vos relations de manière générale il y a un lâcher prise tout simplement donc on dépose hein, ce gros sac avec ces dix bâtons-là qui pèsent très très lourd sur notre dos pour euh, à commencer quelque chose de nouveau dans sa vie amoureuse, relationnelle et sentimentale. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'un nouveau chapitre de, de votre vie euh, s'ouvre, commence. Ici avec le page de bâton, vous avez un nouveau désir, une nouvelle possibilité. Donc pour les célibataires, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein et puis pour à, un couple, hein, ça peut être euh, ici de nouvelles choses qui se passent, hein, de nouveaux de nouveaux projets. On peut désirer ici quelque chose de nouveau au sein d'un couple, peut-être raviver la flamme ou la petite étincelle amoureuse et passionnelle. Donc en tout cas, on envisage de nouveaux projets. Que vous rencontriez une personne sur le sur cet été ou que vous êtes déjà accompagné, on voit que il y a un nouveau chapitre. Hein. Vous êtes en train d'écrire un nouveau chapitre dans votre vie alors vos besoins amis scorpion sur cet été 2022 par rapport à l'aspect amoureux les besoins de l'autre personne donc je vous rappelle que cette autre personne peut être votre autre votre partenaire amoureux déjà existant dans votre vie ou bien la personne que vous pourriez rencontrer ou la personne à qui vous pensez hein, tout simplement que vous voulez convoiter les aspects positifs dans la relation, les aspects un peu plus délicats, les blocages et l'évolution possible de cette relation. On y va, on va découvrir les cartes. C'est parti, vos besoins. Donc le 8 de coupe. Alors ici, vous avez besoin de travailler encore sur vos émotions, de travailler en développement personnel. Il me semble ici que vous avez été déçu dans votre vie amoureuse. Il y a des choses négatives, il y a encore des, des émotions négatives qui sont présentes liées à de la déception, de la frustration, des regrets pour d'autres, de la tristesse. On est en train ici de gérer ces émotions, de comprendre ces émotions, de travailler par rapport à ces émotions négatives. C'est ce que vous avez besoin encore sur cet été pour pouvoir euh, créer quelque chose de nouveau ou débuter quelque chose de nouveau au niveau sentimental euh, dans, dans votre vie. Donc il y a un grand travail ici avec le 8 de coupe sur les émotions négatives. Vous vous éloignez de choses ou de situations qui ne vous conviennent plus aussi. En tout cas, c'est ce dont vous avez besoin sur cet été 2022 par rapport à une relation en particulier ou par rapport à votre passé sentimental. On voit bien que vous avez porté quelque chose de lourd. Et ici, il y a besoin de vraiment déposer ce fardeau. Alors, les besoins de l'autre personne, ici, celle que vous pourriez rencontrer ou celle qui est déjà présente dans votre vie, elle, elle a besoin de justesse. Enfin, voilà, elle veut ici que vous vous décidiez que vous preniez une juste décision par rapport à la relation. Elle a besoin d'authenticité, elle a besoin de sincérité, elle a besoin aussi de prendre ses propres responsabilités, mais c'est aussi ce qu'elle vous demande. J'ai l'impression qu'elle a besoin aussi que vous preniez une ferme décision, que vous arrêtiez de peser le pour et le contre dans une relation. Hein, elle a besoin que justice soit faite. Ça veut dire quoi Qu'il y ait vraiment une décision qui soit établie qui soit prise par rapport à la relation. Euh, alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer une personne qui a besoin de justesse hein, ou de droiture dans la relation, c'est-à-dire qui a besoin de savoir si vous allez vous engager concrètement avec elle. Ou pas. Et puis, si vous êtes en couple, c'est pareil. Est-ce que vous continuez à vous engager avec cette personne Est-ce que vous améliorez la relation Est-ce que vous évoluez encore dans cette relation Après, les énergies, ça peut être inversé. D'accord hein, Vous pourriez être dans ce positionnement et le partenaire dans ce positionnement. À vous vraiment d'adapter en fonction de ce que vous vivez et en fonction de votre vie personnelle. Les points positifs dans cette relation. Alors, la papesse. Alors, la papesse, ici, il y a une vérité qui va être dite. Hein, il y a quelque chose ici que vous cachiez, ou alors c'est l'autre. Euh, alors peut-être que là, à un moment donné, on va avouer à l'autre une certaine forme de vérité. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que euh, voilà Pourquoi on ne progresse pas Pourquoi on n'évolue pas euh, au sein du couple Pourquoi je n'arrive pas à rencontrer quelqu'un ou à m'engager concrètement Il y a une vérité qui se dit tout simplement. J'ai l'impression que vous avez enfoui pas mal de choses au niveau émotionnel. C'est pareil, vous pourriez vous exprimer et communiquer par rapport à vos émotions. Et l'autre personne aussi va le faire. Il y a des ressentis ici qui s'expriment, qui s'expriment vraiment. Ici, les blocages, l'ermite. Eh ben oui, c'est l'inverse. Hein. C'est l'inverse ici. Eh ben, si vous restez dans une forme de mutisme. Eh bien, les choses ne pourront pas évoluer, les choses ne pourront pas avancer, vous ne pourrez pas écrire un nouveau chapitre de votre vie, que vous soyez en couple ou non, ou par rapport à une nouvelle rencontre. Il y a besoin de s'exprimer, de communiquer, d'avouer une certaine vérité et de quitter des émotions négatives d'être juste, il y a un besoin d'authenticité, de vérité, que la vérité soit dite ici au niveau de relationnel pour vous. Parce que là, l'ermite, c'est le blocage, c'est le fait d'être en perpétuelle introspection, en perpétuelle analyse, d'être toujours dans le passé, de faire un bilan. Ça, on vous demande de lâcher ça. On vous dit ici que quelque part, vous êtes prêt ou prête à avouer quelque chose par rapport à la relation, que vous avez assez tergiversé et qu'il est temps maintenant de prendre une réelle décision. Donc sortez de votre mutisme, sortez de cette période d'isolement ou d'introspection dont vous avez eu besoin. Hein, on l'a vu ici, mais là, courant du, de l'été, hein, quand les mois et les semaines vont s'écouler, vous avez besoin de lâcher ça. Vous avez, be vous avez besoin maintenant de vous extérioriser. Ok Alors, ici, l'évolution possible dans cette relation, eh bien, on a le 10 d'épée. Vous achevez un cycle. Hein. Là, il y a vraiment un lâcher-prise par rapport à cette relation-là. Alors, il y a des personnes qui vont démarrer quelque chose de nouveau, qui vont lâcher-prise par rapport à une relation, et puis d'autres qui vont lâcher-prise et rester avec le partenaire si vous êtes en couple, mais accueillir de nouvelles énergies positives. Alors ça, ça dépendra de votre choix. Hein, parce que là, on voit qu'on est en fin de cycle, de toute façon. On a tout essayé. On a tout essayé et puis il y a des personnes qui vont renoncer, d'autres qui vont lâcher prise et puis d'autres qui vont débuter autre chose dans sa vie relationnelle et sentimentale. Ça, ça dépendra de chacun en fonction de votre propre libre arbitre. C'est vous qui choisissez. On voit bien ici qu'il y a une forme de fatigue émotionnelle par rapport à la relation, une forme de fatigue mentale aussi. Vous êtes un petit peu épuisé mentalement de devoir réfléchir par rapport à une relation. Ici, vraiment, cet été, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'amis scorpions. Qui vont prendre une décision, ou alors on va la prendre à votre place, hein, voilà. Mais il euh, y a une vérité qui est dite et qui va engendrer ici un nouveau commencement par rapport à une relation ou à vos relations de manière générale. Je vais prendre la sagesse de l'oracle pour accompagner votre tirage, pour des conseils aussi. Alors quelque part par rapport à ce tirage, si vous rencontrez une personne, ben, il y a cette idée de savoir une, prendre une bonne décision par rapport à un engagement ou non. Est-ce que je m'engage Est-ce que je ne m'engage pas Et pour les couples, est-ce que je continue cette relation ou je me désengage Une longueur d'avance, la carte 34. Ici, on vous demande vraiment quelque part de partager, de communiquer avec l'autre pour avouer quelque chose. Voilà. D'établir un lien. Si un lien a été coupé, il y a une vérité qui doit être dite. Euh, communiquer, s'exprimer. On vous parle de confiance par rapport à votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. De retrouver de la confiance en vous, mais également peut-être confiance en l'autre. En la relation de manière générale aussi. On vous dit que vous êtes prêt, que c'est le bon moment pour prendre une décision et que vous allez agir avec sagesse parce que vous avez assez réfléchi. Et vous avez assez travaillé sur vos émotions. Vous achevez un cycle pour commencer quelque chose de nouveau. Quelle que soit votre situation. Vous avez assez tergiverser, c'est ce que je vous disais. Là, on vous parle d'une histoire sans fin qui veut dire que vous avez tergiversé, que vous avez beaucoup réfléchi mentalement. D'ailleurs, il y a un épuisement au niveau mental, vous êtes très fatigué. Vous avez tergiversé de savoir ce que vous alliez faire à propos d'une relation ou alors ce que vous allez faire par rapport à une nouvelle rencontre. Hein, Est-ce que je m'engage ou pas il euh, y a vraiment cette idée-là de, de tourner en rond hein, un petit peu dans votre tête. Vous, allez, vous, vous répétez des choses, vous ressassez des choses depuis longtemps. Et euh, ici, vous êtes blessé aussi par rapport à une situation et vous ressassez ça, par rapport à une relation. Vous tournez en rond hein, dans votre tête, comme on dit, le petit vélo, hein, dans la tête, il est bien là. Et à un moment donné, bah. Stop, stop parce que vous êtes trop fatigué et euh, ce qui va vous permettre hein, de, ne plus, euh, de ne plus cogiter, c'est vraiment de prendre cette fameuse décision qu'on attend de vous ou alors on va la prendre à votre place et là, c'est moins agréable aussi. Mais visiblement cet été, vraiment reprenez confiance en vous, vous êtes prêt à prendre une grande décision pour accueillir un nouveau chapitre de votre vie. Voilà, tout simplement, soit accueillir quelqu'un, soit vous désengager pour certains d'entre vous. Et voilà, ce sera différent pour chacun. Vous avez le libre arbitre. Hein, comme je vous disais, mes chers amis, c'est vous qui décidez. Voilà, j'en ai terminé avec votre tirage sentimental, affectif, relationnel pour l'été 2022. J'espère que celui-ci vous a aidé, vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, commenter, partager cette vidéo comme d'habitude. Je vous invite aussi à vous abonner si mes guidances vous conviennent et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications concernant mes nouvelles vidéos car j'en fais très régulièrement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez toutes mes coordonnées en barre de description sous la vidéo. Également, je mets en lien à la fin de cette vidéo aussi votre guidance sur le mois de juin 2022 si vous ne l'avez toujours pas consultée. Je vous souhaite bonne chance pour tout, mes chers amis Scorpions. Un bel été 2022. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite pour d'autres tirages. Bye!